toute la question des bénévoles. Alors, le Forum de l'éducation populaire et de l'engagement, nous sommes toujours donc au Conseil régional Rhône-Alpes pour cette grande journée en l'honneur de l'éducation populaire. Alors, on a la chance avec Patrice Berger, puis, qui est donc de Médias Citoyens, de Radio Pluriel, et Emeline Baume, qui est une élue écologiste de la ville de Lyon, qui s'est jointe à nous pour interroger Jean Bourriaud. Alors, Jean Bourriaud, vous êtes l'invité, le grand témoin de la journée. Vous êtes chercheur en sciences de l'éducation, spécialiste de l'éducation populaire en particulier. C'est aussi pour ça que vous êtes là. On aurait aimé profiter de votre présence pour éclaircir peut-être un petit peu les termes du débat. On parle d'éducation populaire depuis ce matin, on en parle beaucoup, on ne parle que de ça. En même temps, c'est un terme qui a été peut-être un petit peu galvaudé, en tout cas beaucoup critiqué ces dernières années. Mais finalement, qu'est-ce que c'est l'éducation populaire? Alors je sais, c'est une très grande question, très large question, mais est-ce qu'on pourrait synthétiser pour bien situer de quoi on parle? Alors, moi, je ne vais pas synthétiser. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans l'histoire, il y a eu au moins trois courants dans l'éducation populaire. Et trois courants, j'allais dire, qui coexistent aujourd'hui et qui sont en tension aujourd'hui. Il y a un courant qu'on pourrait appeler humaniste républicain, un courant qui est lié au mouvement ouvrier, et un courant qui est confessionnel. Alors on retrouve aussi dans les gens qui sont aujourd'hui, on retrouve un peu ces trois origines-là. Et ce qui est intéressant à travailler aujourd'hui, c'est les tensions qu'il peut y avoir entre ces différentes approches. Et c'est les tensions qu'on retrouve dans la façon d'aborder les savoirs, dans la façon d'aborder l'éducation, etc. Voilà, dans la façon d'aborder la démocratie de manière générale. Alors, quand je dis que c'est des tensions, ça veut dire que je ne veux pas dire qu'il y en a une qui est bonne et une qui est mauvaise, mais c'est que sans arrêt dans la pratique, ce matin je parlais du couple valeur-pratique, dans ce couple valeur-pratique, on a effectivement des tensions entre différentes approches sur lesquelles on pourra revenir. Et Jean, est-ce qu'il y a des pratiques qui émergent plus que d'autres ? Là, maintenant ? Alors, ouais, on est aujourd'hui, enfin, on a vécu toute une période avec, j'allais dire, des pratiques sauvages. Je pense que quand, par exemple, un militant communiste passait dans un quartier, frappait à la porte et disait « Je pars demain en week-end avec un tel et un tel, est-ce qu'il y a des jeunes parmi vous qui veulent venir ?» et qui partaient, on ne se posait pas la question de la sécurisation, de l'encadrement, etc. On se posait le fait que des jeunes puissent partir en vacances ou puissent partir en week-end alors qu'ils ne le faisaient pas. On avait tout un tas de pratiques comme ça, que ce soit dans l'apprentissage du français, etc. Donc on avait vraiment plein de pratiques très différentes que moi j'appelle sauvages, qui étaient des pratiques vraiment d'éducation populaire de base. Ensuite, on est passé à toute une période où petit à petit, ces pratiques se sont organisées, cadrées, instituées, encadrées, financées par l'État puis les collectivités territoriales. Alors, bien sûr, ça a permis un développement gigantesque des pratiques, mais en même temps, on est arrivé à quelque chose qui est beaucoup plus formaté et où on se dit quelquefois, imaginez-vous, vous rencontrez des jeunes un peu en perdition sur le port de Marseille, est-ce que vous allez leur proposer de partir avec eux en week-end ? Hein, voilà. Donc, c'est des choses qui sont aujourd'hui impensables. Mais il me semble que ce qui est en émergence, c'est peut-être justement ce genre de choses qui est en train de revenir, où on se repose des questions sur... Est-ce que la réglementation qui était sans doute nécessaire n'est pas devenue une surréglementation qui nous empêche d'agir ? Est-ce que l'encadrement qui était nécessaire et qui a été accompagné et financé par l'État, aujourd'hui l'État se retirant, ben cet encadrement on a du mal à l'assurer. Ça veut dire du coup, est-ce qu'il ne faut pas se reposer toute la question des bénévoles et des volontaires, de tout cet engagement pour accompagner au quotidien les gens qui veulent participer à la transformation sociale, etc. Voilà, pour moi c'est toutes ces pratiques émergentes qui sont passionnantes à interroger aujourd'hui. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une réaction à la surprofessionnalisation qui a eu lieu dans l'éducation populaire ? Oui, alors on est à une réaction, j'allais dire, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire qu'au sein même des associations, je crois que ça a mis du temps, mais au sein même des associations, on se rend compte aujourd'hui qu'une surprofessionnalisation a fait perdre de l'intelligence collective, a fait perdre du bon sens, tout simplement, a fait perdre du sens politique aux associations, et que quelquefois, des associations mettent en place des projets avec comme objet principal de garder les salariés qu'ils ont et non pas de transformer la société. Or, une association n'est pas une entreprise et l'objectif n'est pas de garder ses salariés, même si c'est dur quand on est salarié de savoir que peut-être qu'on ne va pas rester, mais c'est bien de mettre en place des objectifs de transformation sociale et d'émancipation. Et je dis en externe aussi, parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui ne veulent pas rentrer dans ces schémas
MDMA qu'ils trouvent surprofessionnels et qu'ils ne se retrouvent pas. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui me, d'un quartier de Lyon qui me titillait un petit peu sur la question des indignés, en me disant mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de lien entre l'éducation populaire et les indignés. Ben, j'ai dit oui, mais dans les indignés, il y a plein de gens d'éducation populaire qui y sont, mais ils y sont à titre individuel. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de convergence collective entre des mouvements d'éducation populaire et le mouvement des indignés, alors qu'il y a tellement de choses, si on s'en réfère à l'histoire, qui sont convergentes. Juste pour terminer, pour moi, un des grands défauts de l'éducation populaire aujourd'hui, c'est d'avoir oublié tout ce qui était les dimensions du bien-être et des gens. C'est-à-dire que si on repense à l'éducation populaire, au mouvement ouvrier, l'éducation populaire se posait la question du logement, de la santé, de l'alimentation, hein, les épiceries sociales, etc. Aujourd'hui, c'est des questions qu'on a séparé, qu'on a délégué à d'autres personnes, que l'éducation populaire ne prend plus en charge. Et pour moi, un des objets, et les indignés le posent, c'est bien cette question de la précarité qui est posée directement. Donc que l'éducation populaire reprenne en main la précarité, et je pense qu'on a les convergences qui vont se faire avec les indignés. Dans cet ordre d'idées, il y a des mouvements qu'on observe maintenant de plus en plus sur ces questions de vie quotidienne, comme les échanges de savoir, les échanges de bonnes, simplement de services entre voisins qui commencent à s'organiser, où finalement on s'aperçoit que il y a beaucoup de gens savent beaucoup de choses, mais n'en ont pas forcément la conscience et la reconnaissance. Dans les savoirs, effectivement, les réseaux d'échange réciproque de savoir, c'est un mouvement d'éducation populaire, et c'est un mouvement d'éducation populaire relativement récent. Mais en même temps, cette question des savoirs, elle, est une question très ancienne, puisque déjà le mouvement ouvrier, dès le 19e siècle, dénonçait l'éducation du peuple en disant qu'il fallait favoriser l'éducation mutuelle, en disant qu'eux étaient porteurs de savoir et de connaissances. Et quand les universités populaires ont été créées au 19e, je rappelle qu'il n'y a pas grand-chose à voir, même s'il y a des choses intéressantes, entre les universités populaires du 19e et les universités populaires d'aujourd'hui. Les universités populaires se posaient justement cette question du savoir ouvrier. Et dans les conférences qui étaient mises en place, il y avait des ouvriers qui prenaient la parole. Il y avait des soirées ouvrières qui étaient mises en place pour que les ouvriers échangent entre eux avec l'apport ou pas d'intellectuel sur ce que pouvaient apporter, par exemple, toutes les inventions de cette fin du 19e siècle. Donc on avait tous ces éléments-là qui sont des éléments qui doivent permettre de remettre en valeur les savoirs et les connaissances que portent tous les habitants d'un territoire. Alors, où je ferai une petite différence, c'est que dans les réseaux d'échange réciproque de savoir, on est souvent dans de l'échange individuel. C'est-à-dire, je sais faire de l'anglais, je t'apprends à faire du l'anglais, toi tu sais faire de la guitare, tu m'apprends à faire de la guitare. Et moi, il me semble que dans l'éducation populaire, on a une dimension supplémentaire à travailler, c'est comment on passe de ces savoirs d'usage, de cette expertise d'usage, à du savoir citoyen. C'est-à-dire comment on part de ces richesses que chacun porte pour arriver à quelque chose qui va pouvoir bouger les pouvoirs publics et être utile aux institutions. Est-ce que, dans ce cas-là, c'est la dimension collective, est-ce qu'elle n'est pas dans la capacité à organiser tous ces échanges individuels, toutes ces interrelations individuelles qui deviennent alors effectivement un processus de transformation ? Oui, alors c'est à les organiser, mais en étant vigilant dans la façon dont on les organise. C'est-à-dire que pour moi, un maître mot de l'éducation populaire, c'est souvent permettre, faciliter. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on organise quelque chose qui permet à des savoirs de se mettre en commun, de se construire, c'est extraordinaire. Mais quand on met en place une organisation où c'est nous qui allons choisir les savoirs qui vont se mettre ensemble pour donner quelque chose, on dépossède un certain nombre de gens de ce qu'ils portent. Donc pour moi, ça c'est presque une question permanente de vigilance à avoir quand on est dans l'éducation populaire, de comment je fais pour permettre d'aller plus loin et de passer de l'activité que je mène à la transformation sociale, mais pas comment j'organise la transformation que je veux. Est-ce que Jean, tu peux nous expliquer un peu quel rapport l'éducation populaire a au temps ? Le temps qui s'écoule, la contrainte des collectivités, la contrainte de l'État, la contrainte de chacun des individus, le rapport qu'on a aux autres et le rapport qu'on a à cet espace-temps. Oui, alors c'est vrai que la question du temps, c'est une question fondamentale de l'éducation populaire, mais j'allais presque dire de l'éducation en général. C'est-à-dire qu'on sait bien que dans l'éducation, il faut du temps pour grandir, quoi. Hein, il faut du temps et il faut du monde, hein, voilà, pour grandir. Et c'est une des difficultés importantes, c'est pour moi, l'éducation populaire a besoin de temps pour qu'on puisse passer, par exemple, pour reprendre les éléments qu'on vient de voir, de l'expertise d'usage à l'expertise citoyenne, de l'expertise citoyenne à de la co-construction avec les institutions. Tout ça nécessite du temps. La démocratie, c'est long.
Ça nécessite du temps. En même temps, c'est absolument indispensable parce que c'est dans ces parcours-là qu'on va tous apprendre les uns des autres. C'est-à-dire que je suis persuadé que, y compris par exemple dans la construction de cette journée, les associations qui ont participé à la co-construction ont sans doute appris des choses, il y a des lignes qui ont bougé. Mais je pense que les services du conseil régional qui ont travaillé avec les associations ont aussi appris des choses et ont aussi bougé. Et pour moi, c'est une des richesses de la co-construction. On n'est pas indemne quand on prend le temps de travailler ensemble, on n'est pas indemne. Et c'est important que et les associations qui sont en train de, aujourd'hui de reprendre souvent malheureusement le temps des institutions, que les associations retrouvent le temps de la construction éducative et que les institutions autorisent le temps aux associations de la construction éducative. Alors on parlait des indignés, on pourrait parler des forums sociaux mondiaux et de tout un tas de choses qui se passent aussi aux portes de chez nous. Les formes aussi de faire de l'éducation populaire se multiplient. Elles sont peut-être pas sauvages, mais pas toutes forcément reconnues encore en tant que telles. Comment vous voyez aujourd'hui les perspectives de l'éducation populaire alors que justement, cette journée le prouve, on est à un moment où on doit la re-questionner, la réinterroger. Ça me fait penser d'ailleurs au titre d'un de vos ouvrages. Mais justement, quelles perspectives s'offrent à l'éducation populaire aujourd'hui ? Alors, pour moi, on en a déjà parlé à d'autres moments, mais on est dans une période qui est à la fois enthousiasmante et dangereuse. Bon, je dirais, il suffit de regarder la télévision ce matin pour se dire que oui, il y a des choses enthousiasmantes parce qu'on est en train de gagner sur une loi du mariage pour tous, mais oui, c'est très dangereux parce qu'en même temps, on s'aperçoit de toutes les réactions qui font jour. Et par rapport à ça, je pense que l'éducation populaire, pour moi, a deux chantiers, enfin au moins deux, je ne veux pas limiter à deux, mais au moins deux chantiers essentiels, c'est tout ce qui tourne autour de l'éducation et ce qui tourne autour de la démocratie. Alors qu'on se retrouve aujourd'hui, pour commencer par la démocratie, avec des élus qui, malgré eux, sont mal élus. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on regarde en Seine-Saint-Denis, on retire les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale, si on retire les étrangers qui n'ont pas le droit de voter, etc., si on retire ceux qui ne vont pas se déplacer au deuxième tour, on se retrouve avec une équipe municipale de qualité qui est élue par 7% de la population. Bon, c'est des choses qui, pour l'élu, les élus ne sont pas confortables et pour les habitants ne sont pas légitimes. Donc on a toute cette question de la légitimité à reconquérir. Hein. Et là, pour moi, il y a un travail de démocratie à faire en lien ensemble, acteurs d'éducation populaire, pour être plus large qu'association, acteurs d'éducation populaire et pouvoir public, sur ce retrouver de la légitimité. Hier, on parlait de la confiance, retrouver de la confiance qui est absolument essentielle. L'autre aspect qui est celui de l'éducation, on a aujourd'hui dans tous les domaines à saisir les opportunités, les espaces et quand ils n'existent pas à les créer. Je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir ce soir parce que c'est sorti dans les ateliers ce matin. Cette question des espaces qui permettent que se crée de l'éducation, c'est-à-dire qu'ils sont des espaces où, au-delà de l'éducation de l'école, il y a des choses qui se passent et des gens qui sont plus intelligents individuellement et collectivement après qu'avant. Et ça, il est de notre responsabilité de favoriser ces espaces. C'est les espaces qui diminuent parce qu'on est de plus en plus dans le formalisme, on est de plus en plus dans la certitude de ce que moi je pense contre les autres, etc., etc. Donc on a à retrouver tous ces espaces-là, encore une fois, pour une éducation. Voilà. Peut-être pour continuer sur la question, le lien éducation populaire et démocratie, comment l'éducation populaire est plus dans cette logique de dire on a besoin du conflit pour faire grandir la démocratie ou pour que la démocratie existe, il faut qu'il y ait du conflit. Alors ça, c'est intéressant, cette question du conflit, parce que c'est quelque chose qui est pénalisant, le consensus est pénalisant, y compris pour les associations d'éducation populaire. Je reviens dessus. C'est vrai qu'on est dans une société qui, depuis 20 ou 30 ans, s'est donné comme mot d'ordre le risque zéro, le consensus, enfin, on a un certain nombre d'éléments comme ça, le consensus à tout prix, l'image un petit peu qu'on peut avoir les uns et les autres dans la tête, en tout cas pour les plus vieux, c'est celle de Balladur, hein, qui était l'image du consensus mou, hein, voilà, ce qu'on appelait le consensus mou. Bon, donc c'est cette image, on ne peut pas être en désaccord. Ceci dit, quand on regarde bien aujourd'hui, même à gauche, même à droite, dans les deux cas, on revendique encore ce consensus. Quand on n'est pas d'accord avec une décision, on nous dit qu'il s'agisse de l'Europe, qu'il s'agisse de mariage pour tous. On nous dit toujours qu'on n'a pas compris. Et est-ce qu'on pourrait enfin admettre
qu'il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui ne sont pas d'accord, et que ce qui est intéressant, c'est de travailler sur ce dissensus, justement, pour aller plus loin. Alors, non pas pour rechercher le plus petit dénominateur commun, ça ce serait catastrophique parce qu'on monterait pas haut, hein, mais pour rechercher, pour faire le pari ensemble, de construire quelque chose ensemble. C'est pour ça que je dis que moi, souvent, une collectivité territoriale et une association d'éducation populaire n'ont pas les mêmes enjeux, n'ont pas les mêmes temps, n'ont pas, etc., n'ont pas les mêmes échéances, et donc ont des différences et peuvent être en conflit. Ce n'est pas un problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des différences, à partir du moment où on les a repérées, on soit capable de construire ensemble dans un pari qu'on fait ensemble. Hein, voilà. C'est ça qui me semble important. Donc surtout, ne refusons pas le conflit, mais apprenons dans l'éducation populaire à le travailler, à le gérer, etc. Alors je pense à un outil qui s'appelait autrefois la bague de Régnier, qui s'appelle aujourd'hui le color vote, qui est un outil qui est exprès pour travailler sur cette question de repérer les désaccords dans un groupe pour pouvoir ensuite travailler dessus. Quand je disais que même les associations d'éducation populaire étaient un peu pénalisées, c'est que, par exemple, le fonctionnement du CNAGEP, la Coordination Nationale des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire, est un fonctionnement sur le consensus. Mais c'est ce qui fait qu'il n'y a pas eu de prise de position claire et nette sur l'éducation populaire et, par exemple, sur la problématique des appels d'offres en marché public, puisqu'au sein du CNAGEP, il y a des gens qui le revendiquent et il y a des associations qui le nient. Donc, comment arriver à une prise de position commune là-dessus ? Voilà. Ben, ce sera le mot de conclusion, je crois. Merci beaucoup, Jean Bourriaud, d'avoir bien voulu répondre à nos questions pendant le temps du repas. Alors, on continue à avoir faim et on va y retourner. Merci infiniment. Merci.